Chris, tu as fait du bon boulot. Appuyez sur un bouton. Tentez de survivre dans un monde d'épouvante. Nous ne sommes plus que trois dans l'équipe des Stars. Le Capitaine Wesker, Jill et moi, sacré soirée d'ailleurs. Mort. Tout le monde va bien? Ouais. Mais oui, où est Barry? Chris, ça va? Hein? Il est mort, voilà. Oh non! Oh non! Hein? Mais c'était quoi? Mais... qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller voir. Très bien. Jim et moi, on allons rester ici pour sécuriser la zone. Allez, moi j'y vais. Hé! Chris! Quoi? Gros pigeon. Quoi, pigeon? Sois prudent quand même. Pourquoi elle m'a traité de pigeon, la conne? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. A plus, Chris. Viens, pigeon. Chris. Ouais, salut. Je compte sur toi pour découvrir d'où venait ce coup de feu, Chris. Mais non. Merci, Whisky. Un verre. Espèce de moule. Un écho, attends. Bon. À quoi? Ma technique m'a fait mal. Un écho. Ah, umbrella. Parapluie, pas très bien. Un écho. Ah, il est vert. Un écho. Un traître. Quoi? Pourquoi il m'a traité de traître? Mais c'est une saloperie. Et qui a tiré? C'était l'homme invisible. Félicitations, Chris. Allez. Viens recevoir ton cadeau. Allez. Oh, oh, ça me plaît. Fais-moi un bisou. Non. Je vais explorer cette zone un peu plus. Non, je crois pas. Je vais sécuriser la zone. Non. Vas-y, Chris. Non, tu veux que je fasse quoi? Wesker s'occupe de cet endroit. Mieux vaut se dépêcher d'avancer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais encore? Oh non, mais Wesker, mais oui, Hélène. Oh non, au secours. Wow, Jill, you're there. Oui, sors-moi de là, la porte est bloquée. On peut pas aller voir. Écarte-toi, je vais te plomber le cul. Ah, vite. Laisse-toi écraser. Non. Laisse-toi écraser. Attrape ma main, alors. On va ta culotte blanche. Mais oui, on voit ma culotte. Yes, c'était moins deux, hein. Ok, tu as failli devenir une garniture pour sandwich à marier. Sérieusement. Fais-moi un bisou. Je suis très sectionnée pour voir ma merci. Culotte. Mais Barry, t'avais dit que tu retournais à la salle à manger pour trouver des indices, non? Well, je suis contente. Non, je déconne. Je voulais juste check something, ok, you know? Ouais, sécuriser la zone. Ouais, bon, on devait repartir à la recherche de Whisky et de Chris. Alors, allons-y. Chris? Finir la parlementation. Merci, Barry. Et les blablatages. Je dois une fière chandelle. Well, je préférerais une allumette. Yeah. Bon, alors ça, c'est juste pour qu'on voie certains détails. Yeah. Je devrais faire pin-up. Un CH4. Bon, là, c'est pas le moment de discutationner. Dieu, donne-moi ton cucut, là. Non. Tu rigoles, jamais je te donnerai. Je ne peux pas faire ça. T'aurais dû. Ah. Jill. Well, j'ai pas le droit de prendre son arme, alors. Yeah. Barry. Oh, vilaine bête! Bravo, espèce de pouf, c'est très malin. Barry est mort maintenant. Il a aucun goût pour les nonces, Barry. Tiens, bah, je vais lui piquer son... Prendre cet objet, le caca de magnum de Barry. Il sera pas mort pour rien. Well, Jill... Barry? Tu aurais pu m'attendre, moi, espèce de pute. Allons-y.
Okay, now. Well. T'as réussi à monter tout seul, t'es fort, hein? Well. You know. Tu m'en veux pas trop, hein? T'es vraiment une pute, j'avais même. Je te croyais vraiment pas capable de me laisser comme ça, comme une grosse merde. Ah, tu vois, j'en suis capable. Oh, le salope que tu es. Well. J'en étais sûr. Wesker. Wesker. Ça aussi, j'en étais sûr. Merci, Barry. Tiens. Ne mets pas tout sur le dos de Barry. J'ai entendu dire que sa femme et ses deux charmantes petites filles seront en danger s'il ne vous obéit pas à la lettre. Oh, le vilain! Ah, Wesker, tu es pitoyable. À ta place, je ne ferai pas de quartier. Tu n'auras bientôt plus le soin de toute façon pour éliminer les stars. Pourquoi j'élimine les stars? Je vais te le dire. Allez ou non, c'est le plan de Dambella. J'ai la honte d'avoir un maître comme ça. Tu n'es qu'un esclave, Dambella. Tu es une petite maline. Mais je crois que tu t'es mal compris. Ces monstres ne sont rien. Je vais les détruire eux-mêmes. Voilà. En même temps que ce laboratoire. Et toi de même. Ben oui, monte et attends-nous là-bas. Allez, va chercher. Va chercher le chien. Well, ok, salut. Barry. Ah. Il ne faut pas en vouloir à Barry. Il doit vraiment avoir peur d'Ambrella. J'ai peur. Tu as pris sa famille en otage. Ordure. Ah. Oh, c'est magnifique, tu trouves pas? Tout ça pour ce monstre. Tu sais ce que je déteste chez les adieux? Non, mon cœur, la douleur. Barry, oh tête de Barry. Well, fuck. Pardonne-moi, mais... Non, ce n'est pas ta faute. C'est celle d'Ambrella et le whisky. Tu veux te battre? Eh, c'est ça. Mais non, c'est pas toi qui le veux, c'est lui. Quoi? L'espèce de crevure. Et prématuré. J'en ai marre de bouffer des poissons tous les jours. Barry. Laisse pas toute seule. Ouais, ça va. Laisse-moi dormir, merde. Oh, tu n'as rien. Ça va. Je suis désolé, mais tu ne parles pas bien avec la bouche. C'était stupide de ma part de parler avec le pied. 3 minutes, mon couillon. 3 minutes avant le prochain épisode de Dragon Ball. Bon sang, wow, et Jill. Presque. À plus. Oh non. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Les hommes d'abord, c'est ça? Chris. À mon tour d'avoir un moment de gloire. Hein? Très bien. Rendez-vous à l'aéroport. Ok, je prends les billets d'avion. Il reste 3 minutes 57 avant que ça vous pète sur le coin de votre gueule. À mon avis, si j'étais à votre place, je me bougerais grave le cul pour sortir de ce pognon. Il arrive, Richard. Hmm? Qui est-ce? Ah, vous voilà. Vous voilà. Ouais, oh merde. Mais oui, tu me payes combien pour que j'aide? Non, je fais rien du tout. Tiens, merde. Eh oh, tiens le vieux. Ah, mais oui. Tu commences à me saouler là, hein. Allez. Tiens, dans les couilles. Oh, ah, si tu pouvais me retomber par terre, ce serait cool. Tiens. Eh oh, t'en as pas marre de faire Et le feu d'artifice? À toi là. Il y avait une mouche, tout. Je te l'ai relevé. Ah, bon. Allez, tiens. J'ai touché. Alors, t'es pas doué. Il faut se tenir. Il faut faire fusion. T'as pas mieux comme un. Wow, tiens, gamin. Et bien.